Vous avez fait le chemin de l'ODEV là pour venir voir l'entraînement? On est venu voir l'entraînement des joueurs. On a accompagné tous les petits là, du SC l'ODEV. Quelle catégorie là? U11, U13 et U9. Bon, j'imagine qu'il y a un peu d'excitation avec Paris qui arrive mardi, les bons résultats. Comment vous le voyez, c'est vous? C'est ça, bon, on espère gagner. Après, un match nul, ça sera déjà pas mal. J'espère que ça va le faire. Bon, qu'est-ce que vous pensez d'une manière générale de cette victoire à Strasbourg là, qui donne un peu de bon cœur à tout le monde, hein, pour cette fin de championnat et d'une manière générale ce championnat du MHSC? Très bon championnat pour moi. Après, il y a encore quelques bons coups à jouer encore sur ce championnat, donc ça va. Je pense qu'on peut aller loin et on peut montrer qu'on a notre place en Europe. Petit pronostic pour mardi, allez, les buteurs si vous en voyez plusieurs. Allez, Andy Delors et Skiri, en espérant qu'ils nous en refassent une belle. Et Montpellier, la paillade. Ce soir on est venu chanter et on ne lâchera jamais. Et Montpellier. Bon, venu avec les petits à l'entraînement aujourd'hui? Exactement, je leur avais promis, donc on est venu pour aller voir. Voilà, essayer de les encourager avant le gros match. Bon, le mardi prochain. Ouais, c'est l'effet des bons résultats, là, notamment à Strasbourg et puis à Toulouse à la maison. Puis la venue de Paris aussi, ça amène un peu d'excitation pendant ces vacances, j'imagine. Ouais, tout à fait, ouais, pour les petits c'est bien. Mais il y a une période un peu creuse de Montpellier qui nous a fait un peu douter. Mais là, la victoire à Strasbourg a remotivé, a remis un peu de boost. Donc il faut y aller à tous les matchs. Hein. Paris, Amiens et Nantes, on va y aller, on y sera. Et voilà. Comment vous voyez cette fin de saison, il y a de gros matchs en perspective et puis peut-être quelque chose de beau à aller chercher. Ouais, tout à fait. Je pense que l'Europe, on peut y aller, on peut l'atteindre. Par contre, il va falloir des gros scores à la maison. Et puis après, on a deux finales, Saint-Etienne et Marseille. Il faudra au moins gagner un des deux et puis on verra. Après, ils ont fait une belle saison, donc on verra. Si on finit sixième, ben, ça sera quand même une belle saison. Supporter attentif de la Coupe de France, on ne sait pas trop qui y aura sur la feuille de match en face mardi. C'est quoi un peu? Comment vous voyez, vous, cette confrontation avec Paris? Je sais pas, je pense que Paris vont vouloir gagner une Coupe vu que la Ligue, ça leur est passé à côté. Donc je pense qu'on va gagner la Coupe de France et mettre des bons joueurs. Donc peut-être qu'après, ils feront tourner contre Montpellier, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, il faudra aborder le match à fond à la maison. Et après, ça, suivant qui c'est qu'ils mettent en finale de la Coupe de France, peu importe, on jouera le match à fond mardi et on essaiera de gagner. Peu importe, on n'a peur de personne. Donc voilà, on est à Montpellier ici.